les refs, vidéo hors live à chaud. Je viens à l'instant de lire le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen qui signe la fin de cette œuvre. Et justement, je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis. Il y aura pas de planche qui spoil ou quoi, si vous voulez juste avoir mon avis. Je vais donner un timecode qui s'affiche maintenant pour le moment où je vais spoil. Avant ça, je vais éviter de spoiler au maximum. Je vais juste vous parler de mon avis sur l'œuvre au global, de la fin, et après je vais spoiler. S'il y en a qui veulent voir mon avis sur l'œuvre et s'arrêter au spoil, bah vous pouvez tout simplement. Déjà, vous pouvez aller sur Patreon parce que j'ai sorti ma réaction aux trois derniers chapitres qu'il me manquait pour finir. Donc si vous voulez aller voir ma réaction quand je lisais, n'hésitez pas. Bah, je vais commencer d'entrée de jeu. Je suis déçu de la fin de Jujutsu Kaisen. Je suis quand même assez déçu en entrée dans quelque chose qui justement commençait tout doucement à me décevoir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui eux aussi étaient en mode c'est déceptif actuellement Jujutsu Kaisen, mais moi je faisais partie des gens qui résistaient encore. Je faisais partie des gens qui résistaient encore, des gens qui étaient en mode non, moi je trouve ça cool, moi je trouve ça sympa. On était évidemment sur l'arc final, les combats finaux, sans vous spoiler évidemment, et moi je disais non, je continue à trouver ça cool, je trouve ça bien, les gens trouvaient ça un peu répétitif, un peu chiant, etc. Et moi j'étais toujours dans le train de ceux qui continuaient à kiffer et qui attendaient évidemment le dénouement de tout ça et qui ont vu le dénouement arriver. Et le dénouement qui est arrivé m'a pas du tout plu parce que on sent que Gege Akutami a beaucoup rushé son œuvre sur la fin. On sent aussi, il l'a déjà dit, hein, qu'il aimait pas son œuvre Jujutsu Kaisen. Donc du coup, ça s'est ressenti aussi dans sa manière de raconter l'histoire, de finir les combats, de faire les combats, de parler des personnages, de faire l'évolution des personnages. Cependant, ça ne me retire absolument pas tout ce que j'ai bien vécu avec Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, ça reste une œuvre légendaire qui a été incroyable, notamment pour l'arc Shibuya aussi. L'arc Shibuya qui a mis d'accord tout le monde. Et en fait, le seul truc, c'est que moi, je suis pas du genre à dire que telle œuvre est nulle si la fin est nulle. Tu vois, j'ai pas aimé la fin, mais je suis pas du genre à dire que l'œuvre est nulle parce que la fin est nulle, tu vois. En fait, moi, je trouve qu'une fin nulle d'une œuvre bien ou d'une œuvre incroyable, c'est tout simplement un gâteau hyper beau qui, quand tu le manges, est bon, mais juste au-dessus du gâteau, tu mets du caca. En gros, c'est ça, tu vois. Ça veut dire que en fait, le gâteau en entier, il y a du caca au-dessus, donc t'es obligé de le mentionner, t'es obligé de le dire, et ça fait chier. Mais si t'enlèves la partie où il y a eu du caca, normalement, tu te retrouves encore avec le gâteau qui est bon, qui est... J'espère que vous comprenez la métaphore. Elle est bizarre, mais j'espère que vous la comprenez. C'est un peu comme ça que je vois Jujutsu Kaisen. Des bons moments, des personnages vraiment super stylés, voilà. Ça reste une œuvre quand même cool, vraiment dans l'ensemble, qui est excellente. Maintenant, je dirais qu'elle est très bonne. Voire bonne, hein, en parlant de cette fin-là. Mais mon interprétation de la fin, c'est que pour moi, il y aura une suite. Je sais pas si vous savez, mais ils ont annoncé que il allait avoir une annonce sur Jujutsu Kaisen, et beaucoup pensent que c'est une suite, et avec ce que j'ai lu, et ce que vous avez lu peut-être, je pense aussi qu'il y aura une suite. Mais je me dis aussi qu'il y a des chances aussi qu'il n'y ait pas de suite, parce que si Gege n'aime pas son œuvre, pourquoi faire une suite à cette œuvre-là? Est-ce que ça veut dire qu'il aimerait plus la suite de cette œuvre que l'œuvre en elle-même? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on attend avec impatience, mais pour moi, il y a un grand potentiel à faire une suite avec cette fin-là, parce qu'elle est assez décevante. Elle explique pas grand chose, elle se termine sur pas grand chose, enfin les enjeux de fin sont pas fous, enfin bref, il y a pas trop de messages derrière tout ça, c'est un peu bizarre. La fin, elle est vraiment un peu bizarre, elle est un peu cachée, je sais pas comment expliquer, mais il a voulu nous donner une autre fin en nous proposant cette fin là. C'est pour ça que je me dis qu'il y aura une suite. Mais du coup, s'il y a une suite, c'est bizarre qu'ils nous disent qu'il aime pas son manga et ça se voit parce qu'il rush. Mais s'il y a pas de suite en même temps, du coup, bah, vraiment la fin est gaze. Bref, je suis partagé entre plein de sentiments. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, moi ça n'empêche pas tout ce que j'ai vécu, les personnages, le flow, les techniques, les musiques, l'animation, dinguerie, même les planches. Il y a des planches qui étaient stratosphériques aussi dans le manga. Donc ça n'enlève pas ça. Ça n'enlève vraiment, vraiment pas ça. Soyons honnêtes, la fin est nulle. La fin, elle explique rien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas la fin. Voilà, je suis désolé. Maintenant, passons à la partie avec spoilers. Je vais parler des points que j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas du tout aimé le retour de Nobara, en fait. Nobara de retour. Genre, littéralement, pourquoi, en fait? Enfin, pas le retour de Nobara est inutile. Surtout qu'elle a... Bon, allez, elle a été intéressante, du coup, pour le dénouement du combat contre Sukuna. Avec sa résonance et tout, mais elle est sortie nulle part. Et donc du coup, ça donne vraiment le sentiment que Gege, il s'est dit, attends, qu'est-ce qui pourrait là tout de suite vraiment casser les couilles à Sukuna et le tuer sincèrement? Parce que en vrai de vrai, on commençait à rentrer dans un truc où bah, Sukuna, en fait, il va pas mourir, il va tuer tout le monde et voilà, la fin de Jijika. Et moi, ça aurait été cool, tu vois, moi j'aurais pris, hein.
Mais la fin de Jijika, ça va être une fin pas heureuse où tout le monde meurt et c'est Sukuna qui gagne, tu vois. Mais non, Nobara qui revient de nulle part, qui de nulle part fait résonance à Sukuna, et c'est ce qui permet d'avoir un dénouement à ce combat. Et ben, bah Gege, t'étais inspiré du coup, la ramener à la vie comme ça, t'étais inspiré mon gourmand. Après tout ce que tu nous as fait, le plan sur l'œil et tout, la meuf elle respire plus, Itadori qui pète un câble. Ah ouais, tu l'as fait revenir comme as. Et ben, Yuta qui peut regagner son corps comme si de rien n'était, parce qu'il y a Rika. Bref, en fait tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rushées, il y a beaucoup de scénarios qui ont été en mode... Ah mais c'est vrai, putain c'est vrai qu'il y a les sorts d'inversion. C'est comme si ça ressuscitait, c'est comme si c'était Dragon Ball, c'est comme si c'était les boules de cristal. Ok, bah j'ai juste à dire sort d'inversion et c'est bon. Et en fait moi je l'ai un peu vécu comme ça, je l'ai un peu vécu comme sort d'inversion comme ça, tu vois. Et ça m'aurait même pas choqué qu'à la fin du dernier chapitre, il y ait Gojo qui revienne comme ça en mode « Salut, en fait, je suis pas mort. » Non, parce qu'en fait, il y a eu un sort d'inversion. Et comme j'ai le sixième œil, tu vois, bah, le sixième œil, il me permet d'avoir un sort d'inversion doublé. Donc en fait, moi, quand je meurs, bah, quand j'arrive au paradis, j'ai une deuxième chance. T'as capté ? Ouais, j'arrive au paradis, j'ai une deuxième chance. On me dit « Tu veux ou pas ?» Moi, j'ai dit « Oui. » Donc je suis de retour. Ça va ou quoi, les jeunes ? Moi, ça m'aurait pas choqué. Parce que tu vois, à ce stade-là, vraiment, tu sens qu'il y a vraiment des libertés qui ont été prises. Et c'est ça que je vous dis. Dans les mangaka, ils nous racontent ce qu'ils veulent. Là, j'ai déjà eu beaucoup de débats sur Twitch avec la communauté. Si le mangaka, il a envie de péter un câble et de raconter ce qu'il veut, il le fait. C'est ce qu'il a fait Oda avec le Gear 5. Le Gear 5, bah, c'était pas une transformation conventionnelle. Il a dit fuck tout le monde, je m'en bats les couilles. C'est une transformation qui va certainement diviser, mais je me fais kiffer. Et si vous êtes pas content, c'est pareil, c'est mon œuvre. Donc en fait, faut arrêter d'attendre que les mangaka fassent ça ou de se dire que c'est impossible qu'ils fassent ça parce que c'est leur histoire au final, tu vois. Et Gege, vu qu'il aime pas son histoire, bah. Il a fait n'importe quoi. Et je suis en droit de dire que ce qu'il a fait ne m'a pas plu, tu vois. Après, c'est son histoire. Il fait évidemment ce qu'il veut. Mais, comme j'ai dit, ça n'enlève pas ce que j'ai aimé de Jujutsu Kaisen. La fin est beaucoup trop rushée. En fait, je trouve ça nul d'avoir fait un si long combat entre Sukuna qui défonçait tout le monde. Surtout qu'il y a des moments où vraiment on pensait perdre les gens. Hein. Iguruma, je sais plus comment on dit. Mais lui, pour moi, il était mort. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, il y a plein de personnages qui pour moi étaient vraiment morts dans le film et qui au final s'en sont sortis avec des égratignures ou au final juste ils ont eu mal, ils ont survécu. Enfin bizarre, tu vois. Mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Jujutsu Kaisen, c'est juste que la fin est vraiment médiocre, la fin est vraiment nulle. En plus on a une fin heureuse. En fait ça sonne trop comme une fin qui va avoir une suite, tu vois. Je sais pas, est-ce que ça va être un spin-off, est-ce que ça va être juste la suite, parce que pour moi Sukuna va revenir, on le voit à la fin prendre une deuxième vie, et après le focus sur le doigt de Sukuna qui reste parce que Askip d'après Itadori, d'ailleurs ça aussi pour moi c'est une pirouette scénaristique pour une suite hein. D'après Itadori maintenant il y a plus besoin de le garder, enfin bref, tout ça c'est un peu bizarre, je suis pas trop fan de la tournure que ça a pris. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Je comprends que les gens soient pas fans, et moi non plus. En fait, ça donne vraiment le sentiment de tout ça pour ça, une fin médiocre, tu vois. Mais moi, je crois quand même à cette partie 2. Et j'espère, s'il y en a une, qu'on aura des explications moins bancales sur tout ça. Parce que Nobara, encore une fois, sauf si je me trompe, hein, dites-moi, mais on sait pas comment elle est pas morte. Peut-être je me trompe, hein. C'est vrai que dans les derniers chapitres, et vous pouvez le voir sur Patreon, je ne comprenais rien de ce qu'ils expliquaient. C'était trop dur à comprendre pour moi. Donc peut-être que dans ce que j'ai pas compris, ils expliquaient comment Nobara est revenu. Et je crois qu'on n'a pas eu de comment Nobara est revenu, tu vois. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à me dire votre point de vue. Je pense qu'on va partager on va le partager pour la plupart d'entre nous. Mais ceux qui ont kiffé, dites-moi ce que vous avez vraiment kiffé. Et dites-moi peut-être ce que je n'aurais pas compris. Ou je sais pas. Bref, voilà. Rendez-vous sur Patreon si vous voulez suivre ma réaction. Même aux anciens chapitres. Bon, c'est payant maintenant, mais n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale. J'ai sorti un documentaire. Vraiment, très très gros guillemets, sur The Last of Us, partie 1, le jeu. J'ai trop kiffé l'affaire.